Tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vous avez parlé d'une série euh, sur les armes de poing allemandes. Série que je vais commencer euh, par, euh, par le, le Luger P08. Hein. Euh, je suis obligé de commencer par celui-là. Euh, C'est quand même le plus significatif de. de armes de poing allemandes de la première et deuxième guerre mondiale. Bon, je continuerai ensuite la série avec le P38 et d'autres d'autres armes de cette époque-là, sachant que euh, j'ai d'autres séries qui sont en cours et je finirai en particulier une série que j'avais commencé en 2017 sur les armes russes et je vous présenterai le Makarov 9 mm qui finira la série russe de 2017. En attendant, je vais vous parler de ce fameux Luger P08. Avant de vous parler de cette arme-là, je vais vous parler du concepteur. Je vais vous parler de, de, de Georges Luger, d'origine autrichienne, qui est né en 1849, mort en 1923 et euh, il, a fait, il a fait ses études. il a fait des études brillantes. il est rentré à l'armée. il s'est fait euh, repérer euh, très, très vite parce que c'était un excellent tireur. il est rentré euh, dans l'artillerie. d'ailleurs, on retrouve quelque part euh, sur cette arme là euh, des éléments d'artillerie. et vous les verrez par la suite. après l'armée, euh, il monte quelques, quelques affaires liées à l'armement. La, et en 1891, euh, sorti de l'armée, euh, il rentre dans une, une grosse, dans un gros bureau d'études, Ludwig Landwein et compagnie, qui est situé à Berlin. Il commence à travailler sur les projets euh, de nouvelles armes, et il rencontre un personnage qui est quand même assez important, qui est euh, Hugo euh, Borchard, qui travaille déjà dans cette compagnie et euh, qui travaille sur un projet d'armes qui est le pistolet Borchard. Alors ce pistolet Borchard a à peu près les mêmes lignes je dirais que le Luger P08, à part qu'il est beaucoup plus gros, il fait pratiquement 30 cm de long, il est chambré en 765, il a déjà tout ce que le Luger a comme, comme mécanique, à savoir cette fameuse, cette fameuse genouillère. Ce pistolet est, est, est présenté en, en 1893 à l'armée américaine par euh, Georges Lugère, justement. L'armée américaine refuse cette arme parce qu'elle considère qu'elle est trop encombrante. Elle est assez révolutionnaire au niveau de sa technique, mais elle est trop encombrante. Et euh, chambrée en 765, ce qui est un peu, un peu juste euh, au, niveau des, au, au niveau du calibre. Donc Luger continue euh, bien sûr à travailler sur le, sur le projet et utilise euh, les, les critiques euh, que les Américains ont formulées pour essayer de trouver l'arme idéale. Euh, il commence à sortir dans les années 1900, fabriqué par DWM, un pistolet d'ordonnance qui sera utilisé d'ailleurs par les Suisses, qui est lui chambré en 765 euh, par Abelhomme et qui est l'ancêtre du P08. Donc c'est euh, 1900, 1906. Il continue à travailler sur le sujet en euh, partant d'un principe qu'il fallait améliorer d'une part l'arme, mais surtout la munition. Donc il invente une munition, puisqu'il n'est pas uniquement l'inventeur du pistolet, mais il est aussi l'inventeur d'une munition, qui est euh, le 9 Para, qui est connu par tout le monde aujourd'hui, hein, ou 9 Lugère. Il invente donc cette munition qui va avec cette arme. Et là, on a quel un, un couple arme-munition. Idéale. sachant que cette munition-là, le 9 para, va être diffusée dans le monde entier, et encore aujourd'hui utilisée pratiquement sur toute la planète. Et c'est le fameux 9 euh, mm Luger, inventé par Georges Luger. Donc il invente ce fameux P08, hein, qui, qui dérive des, 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 des deux autres, mais qui est absolument euh, remarquable, d'une part par sa forme, par sa technique aussi, hein, puisque techniquement c'est vraiment une une mise au point parfaite, il hein. faut savoir qu'on est en 1908, donc le, le, le projet a, dé, a, a dû démarrer en 1905 ou 1906. Donc, si je vous fais une présentation générale de cette arme, on a un canon ici qui est assez particulier, parce qu'on a euh, un, un canon qui est pratiquement dérivé. Des canons d'artillerie, des canons qui étaient utilisés pendant la Première Guerre mondiale. On a un canon qui a un arrondi ici qui est assez renflé à ce niveau-là. Au niveau de la bouche du canon, c'est la même chose. On a ici en bout le système de guidon qui est monté sur que d'arrond. C'est assez pratique, vous comprendrez pourquoi parce que au niveau de la hausse, on n'a aucun réglage. On a une, une carcasse ici qui est assez particulière avec une forme. Un peu au départ surprenante, ces fameuses, cette, ces, 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 ces fameuses oreilles ici que l'on retrouve qui, qui sont les oreilles de la genouillère, c'est pareil, c'est un peu ça, à la sortie de cette arme-là, on se demande un peu ce qui se passe, mais Georges Luger ayant travaillé dans l'artillerie avait lui comme idée de réduire au maximum le recul. Alors c'est vrai que là on est sur un, un 9 mm, mais même sur un 9 mm, il voulait absolument que l'on ait un, un recul qui soit pratiquement, je dirais, très très faible. Très, euh, et pour ça, il utilise un système, alors que l'on va voir après, mais qui est quand même très très astucieux c'est-à-dire qu'on a un chariot qui se déplace, qui absorbe une partie du recul, et ensuite cette genouillère-là qui finit d'absorber le recul et qui permet en même temps d'extraire et de recharger la nouvelle munition. Au niveau de la crosse, alors là, on a quelque chose d'absolument parfait au niveau des formes. On a des arrondis qui épousent parfaitement la main. On a l'impression que cette crosse a été moulée, dans un... moulée que l'empreinte a été prise dans une main. On a des, des, des arrondis pratiquement dans tous les sens. Enfin, C'est absolument remarquable. Quand on l'a en main, d'ailleurs, on, on le sent vraiment... On a... On a une, une, une sensation, si vous voulez, que, que, que cette arme-là a été vraiment étudiée, mais euh, au niveau euh, préhension, il y, y a une recherche qui est quand même absolument énorme. On a des plaquettes qui sont euh, très très fines, bois, assez fragiles, mais euh, vous verrez pourquoi, hein, parce qu'avec euh, le temps, c'est vrai que le bois a tendance un petit peu à sécher. Enfin, je vous expliquerai exactement, moi, ce que je fais. Hein. Donc, forme vraiment parfaite dans tous les sens. Chargeur euh, très très simple et très très fin lui aussi, hein. sachant que c'est un chargeur de 8 euh, munitions, avec un, un bouton pour l'aide pour au chargement qui peut être utilisé avec ce petit outil. Alors ce petit outil qui est fourni avec l'arme, très simple, il fait tournevis d'un côté, et ici on a un trou blond, ici avec une petite lumière, qui permet d'être monté sur le bouton qui est ici, et qui sert uniquement à accompagner le chargement. Bon. Alors ce modèle qui est le modèle standard en fait a été fabriqué euh, sous différentes versions. On a une version marine qui a un canon qui est plus long, hein, qui a un canon de, de 15 cm, et on a la version aussi artillerie avec un canon de 20 cm. Avec une particularité sur la version artillerie que l'on retrouve euh, sur ce modèle-là, qui est quand même un modèle standard, c'est qu'en fait au niveau de la crosse ici. On a une accroche ici euh, qui est utilisée pour mettre une crosse en bois. Donc on peut rajouter une crosse en bois pour faire un tir d'épaule. Ça s'explique un petit peu sur la version RTAI. Bon, sur cette version-là, pourquoi pas. Euh, ça aide au tir. Alors, au niveau des marquages sur cette arme-là, qui est une arme de 1918, que j'ai pu trouver dans un état qui est assez exceptionnel. Parce que toutes les pièces, alors je ne parle pas du bronzage, hein, le bronzage... Euh, un petit peu disparu, on a un bronzage à 50, 40, 50 Ce qui n'est pas gênant hein. pour moi, euh, le bronzage fait partie de l'usure normale de l'arme, donc il est hors de question que je rebronze cette arme-là. Mais au niveau mécanique et au niveau canon, vous verrez par la suite, on a quelque chose de parfait. Alors toutes les pièces sont au même numéro, on a un numéro de série qui est le 97-67, on a euh, sous le canon ici, le numéro qui est repris, 9767, avec une petite lettre qui est rajoutée ici. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette, cette lettre-là est une lettre de, de série, c'est-à-dire que euh, les Allemands fabriquaient ces armes avec une série qui partait de 0001, 1 jusqu'à 9999 il fabriquait euh, cette série là et ensuite il refabriquait une nouvelle série en repartant en remettant les compteurs à zéro et y rajouter une lettre, donc ils ont rajouté la lettre A, B, C, et ainsi de suite, jusqu'au I, donc la neuvième lettre de l'alphabet, ce qui correspond à peu près, 1918, 10 000 par an, on est à peu près, euh, on est à, on est à, peu près à 100 000 exemplaires en, en, en 1918. Alors on a un marquage qui apparaît ici, je vais en profiter pour le faire remarquer, c'est euh, ce numéro qui est là, en fait, qui, est, qui est en fait une cote, hein, c'est 8,82, qui est la cote qui correspond à l'intérieur du canon sur les rayures. Donc on a 8 mm 82. Alors ça c'est assez pratique parce que quand on veut mesurer l'intérieur du canon, ce que j'ai fait sur celui-là, moi j'arrive à 8,88. Donc on a perdu 6 centièmes sur le diamètre, hein, on a perdu 3 centièmes sur le rayon en épaisseur de, de, de rayure. Donc ça, cette marque là est importante mais je vous, je vous montrerai comment on arrive à, à retrouver ces, ces, ces marques là et pourquoi on a ces marques là. sur cette face ici on n'a pas énormément de marquages mais on a euh, des marquages qui sont euh, très particuliers. ici c'est à dire qu'en fait ici on a quatre marquages. ces marquages là quand vous les retrouvez sur vos, sur vos lugères, je vais vous donner une explication simple hein, pour comprendre comment fonctionnent ces marquages. Ces marquages. Les Allemands, euh, à cette époque-là, avaient déjà inventé le contrôle qualité. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque étape de fabrication de chaque pièce de, cette, de ces armes-là, il y avait des contrôles qualité qui étaient faits par des inspecteurs. Et euh, ces inspecteurs-là, marqués par l'intermédiaire de ce qu'on appelle un timbre, puisque ce poinçon là s'appelle un timbre, marqué que ils avaient bien effectué le contrôle. Alors sur ces timbres-là, on retrouve en lettres gothiques trois lettres, le T ici. Qui est couronné, hein, puisque on est quand même euh, à l'époque sous euh, l'Empire allemand. Hein. C'est l'époque de Guillaume II, donc c'est encore l'Empire. Donc on a une couronne au-dessus et un T qui est ici, euh, qui est barré dessous d'ailleurs. Alors ce T, en fait, c'est la première lettre du nom du, euh, de l'inspecteur. Hein. Ici, on a un deuxième timbre qui est S en gothique ici. Et le troisième aussi S en gothique. Alors le T barré dessous, c'est simplement parce qu'il y a des inspecteurs qui ont le même nom, enfin le même nom, qui ont la même initiale au début de leur nom. Donc en fait, pour les différencier, on barre dessous le T. Et là on se retrouve avec l'aigle impérial qui est en fait en en fin de contrôle, c'est-à-dire que une fois qu'on a posé ce poinçon de l'aigle, euh, tous les contrôles sont terminés. Alors ces contrôles ici correspondent à des contrôles bien particuliers sur l'arme en question, c'est-à-dire qu'en fait, on a des contrôles de dureté, on a des contrôles dimensionnels, c'est-à-dire que chaque pièce est mesurée pour vérifier si on a les bonnes cotes. On a des contrôles au niveau capacité-puissance, c'est-à-dire qu'en fait, sur les derniers timbres qui sont ici, on a fait des essais de charge, c'est-à-dire qu'on a pris des munitions surchargées de l'ordre de 20 à 25 et on constate ce qui se passe au niveau de la mécanique. Et si jamais l'arme passe le test, à ce moment-là, on poinçonne et on verrouille derrière par l'aigle impériale, pour bien expliquer que tout est terminé. Alors c'est vrai qu'au niveau des contrôles dimensionnels, ce que je vous expliquais tout à l'heure, on fait des contrôles dimensionnels et on les marque, puisque là vous avez le 882 qui apparaît ici, donc on marque la dimension du canon. Et ça c'est quand même très très intéressant pour, pour la suite parce que vous arrivez à, à comprendre un petit peu comment euh, s'use votre canon et quand vous achetez par exemple un lugère, vous pouvez faire un contrôle. Alors il existe plusieurs méthodes pour faire des contrôles aujourd'hui. Vous avez des palmaires d'intérieur, vous avez des outils. Alors c'est vrai que c'est des prix qui sont assez importants parce que vous avez des outils qui sont à 700 ou 800 euros. Moi j'utilise une technique, alors je peux vous la montrer, qui est quand même très très simple, mais qui permet de vérifier quand même où on en est et ce qui reste un petit peu comme, comme rainure. Donc je vais vous montrer euh, tout de suite hein, que, ce que j'utilise. Moi j'utilise une, une douille, euh, donc ça c'est une douille de Nagant, hein, c'est du 762-38 Nagant, qui est très très légèrement conique. Et euh, je la monte euh, en bout de canon ici, avec une petite pression au maillet. Et en ressortant ici, j'ai les marques des rayures qui sont sur la douche. Il suffit juste de prendre un pied à coulisse précis pour arriver à faire une mesure. Donc c'est un petit peu. Alors on n'a pas forcément euh, la même usure à l'entrée et à la sortie du canon. On est généralement. On a une usure qui est plus, plus importante au niveau de la chambre, hein, ce qui est logique puisque c'est la première. Euh, c'est ce que rencontre l'ogive au départ. Hein. Donc on use plus facilement les rayures en. en en, en, en sortie de chambre. Et là, on a quelque chose, on a une mesure qui est assez précise. Donc ça, ça permet de vérifier un petit peu ce qui vous reste comme, comme rainure. Bon, là, je suis à 8,88 sur celui-là, ce qui est tout à fait raisonnable hein, au niveau euh, euh, au niveau euh, usure. Le le chargeur. Alors, je vais passer assez vite dessus. C'est le seul euh, qui n'est pas au même numéro, hein, ce qui est assez courant d'ailleurs. Hein. Souvent des, des, des petits soucis de chargeurs parce que ça s'use, c'est de la tôle emboutie. On a des, des des endroits où on a des fissures qui apparaissent sur les sur les chargeurs. Donc bon, ce chargeur n'est pas au même numéro. Tout le reste étant au même numéro. Alors si on regarde un petit peu au niveau mécanique, parce que c'est quand même euh, c'est quand même là où euh, Lugère fait fait très très fort. Hein, C'est-à-dire qu'il va inventer un une arme qui est quand même assez assez extraordinaire, enfin à mon goût, pour, pour démonter cette arme-là, il, il y a un système qui est très simple, il faut uniquement enlever la portière, donc pour enlever la portière, on va tourner ce petit verrou qui est ici, et on va enlever cette portière qui est là. Voilà, la portière, comment elle est faite sur ce côté-là, et à l'arrière, on a exactement ça avec... Cette petite pièce fabriquée euh, comme une cornière, en fait, hein, qui fait un angle droit, et qui va être utilisée, elle, pour libérer le percuteur. C'est-à-dire qu'en fait, la détente qui est ici, à part être montée sur un axe et avoir un petit ressort de rappel qui est derrière, hein, bon, je vous montre le numéro 67 toujours, hein, euh, cette, cette détente n'a aucun aucune liaison mécanique avec le système de la, de, de, du percuteur. On n'a aucune liaison. La liaison se fait par la portière ici. Ça, on, on, cette partie-là va rentrer dans cette rainure-là. Et cette partie-là va appuyer ici pour libérer le percuteur. Ensuite, il suffit juste de sortir tout l'ensemble. Et là, on se retrouve avec la carcasse. Alors sur la carcasse, on n'a pas grand-chose de particulier, mais on a quand même quelques bricoles intéressantes. Je vais enlever déjà une plaquette pour avoir accès. Alors quand vous démontez ce genre de ce jardin 1918, il a un siècle cette année, donc. Euh, il faut y aller en douceur. Hein. Ces plaquettes, euh, bon, je, les ai, je les ai graissées en fait, hein, ces plaquettes, parce que les, les, les plaquettes bois qui, qui ne sont pas utilisées, elles sèchent et en séchant, elles, sont, elles deviennent très très fragiles. Donc en leur redonnant un petit peu de gras, ça permet qu'elles reprennent un petit peu de consistance et surtout on commence à, à gonfler un petit peu pour bien se, se, se caler dans le sens où on est juste emboîté ici Visser là, donc là on a le fameux ressort de rappel, donc qui est différent du ressort de rappel que l'on avait sur le fameux pistolet dugo Borchard, hein, qui, qui lui était en escargot à l'arrière de l'arme, c'est pour ça que ça prenait énormément de place. Donc, le ressort de rappel qui est ici, le système de sécurité qui est là, donc qui est vraiment très très simple au niveau du fonctionnement, hein, puisque on bascule ici sécurité. En allemand, est marqué ici. On bascule simplement et on lève cette pièce, ce qui va empêcher cette pièce-là de se mettre en mouvement, simplement en la bloquant ici. C'est tout bête comme système, mais ça marche. On a la fourchette ici qui va nous permettre de récupérer la fourchette du chariot, ici. Le système pour extraire, extraire le chargeur qui est là. Et là, on a un petit, euh, on a le blocage en fait de la culasse de, de, du chariot en euh, une fois que le chargeur est vide. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que le chargeur est vide, on va venir en appui ici sur cette pièce là et on va relever ici cette butée qui va bloquer le chariot en position ouverte. Alors. Vous pouvez avoir un petit, un petit souci je vous, je vous le dis parce que sur ces sur ces vieux euh, sur, sur, sur ces, sur ces lugères, on a des, 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 des ressorts donc ça c'est un ressort à l'âme ici hein, qui permet de faire revenir euh, la butée. Ce ressort-là a tendance avec le temps à, à, à perdre de sa puissance donc il faut le, uniquement le démonter, c'est très facile, c'est très facile à sortir uniquement le démonter, le courber légèrement pour pouvoir lui donner un peu plus de puissance parce que vous pouvez avoir, si votre chargeur, s'il vous reste deux, deux munitions dans le chargeur, avec le recul, vous pouvez avoir cette pièce-là qui se relève ici et qui vous bloque le chariot en arrière alors qu'il vous reste une ou deux munitions. Euh, ça, c'est possible. Donc, c'est uniquement ce petit ressort qu'il faut commencer à, à courber légèrement. Il faut y aller tout en douceur, bien évidemment, hein, parce que là, on, 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 si, si jamais. Euh, on casse en... enfin, je dire, on trouve des pièces de, de, de rechange aujourd'hui, hein, mais euh, bon, vous voyez le numéro 67 qui est ici. Après, vous commencez à en dépareiller l'arme et c'est un, un peu, gênant. Voilà. Donc y a... voilà un petit peu la, 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 la carcasse. Hein. C'est très très simple, mais enfin quand même, ça reste quand même une magnifique pièce. Et on arrive à ce fameux. Chariot, alors là on est, on est vraiment dans l'artillerie, hein, puisque tout, tout, tout ça, si vous voulez, ça peut à la limite fonctionner sans le reste. Hein. Il suffit juste d'appuyer ici quand vous êtes armé et vous avez, et euh, ça, 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 ça va tirer. Hein. Bon, vous ne pourrez, pourrez pas réarmer, mais vous allez tirer. Alors sur ce chariot, ben, on retrouve euh, euh, pas mal de choses aussi. Hein, euh, là, je n'avais pas parlé, mais ça, c'est le fabricant DWM, Deutsche Waffen Munition Fabricated. Cette, cette société allemande qui l'a fabriqué à cette époque-là. On retrouve tous les numéros, bien évidemment. Et on retrouve cette fameuse genouillère qui est vraiment euh, l'invention, pas de Georges Luger mais de Hugo Borchard et qui est repris par Georges Luger. Au niveau de la hausse, hein, on a quelque chose de très simple puisqu'on a un guidon en V et une hausse inversée. Donc ça peut pas être. Plus simple. Alors, cette fameuse genouillère qui permet de démultiplier le recul, c'est-à-dire de la faiblir, a un fonctionnement assez, assez, assez particulier. Bon, là on est armé, hein. il, faut bien, il faut bien voir qu'à chaque fois que la genouillère recule et se met en position, on est armé ici. Je ne vais pas mettre le ressort en, en, en action hein, pour qu'on qu arrive à bien comprendre ce qui se passe, je vais juste le laisser dans cette position-là. En fait, dans un premier temps, on a un recul de tout l'ensemble du chariot, hein, lorsquon a, lorsqu a percuté tout l'ensemble du chariot recul. D'ailleurs je vous mettrai une petite animation sur la vidéo pour que vous compreniez de façon beaucoup plus simple par animation, c'est un, un, un ami que j'ai rencontré sur internet qui m'a autorisé à mettre une de ces animations qui sont très bien faites. d'ailleurs je vous mettrai le lien de, de sa chaîne parce que c'est vraiment, vraiment très très bien fait. Donc vous avez ce chariot qui recule et qui, ici, fait appuyer cette fameuse oreille de genouillère sur ce petit toboggan qui est ici. Et ce toboggan va déverrouiller, en fait, la genouillère. Tout simplement. C'est-à-dire que l'action ici, l'appui qui se fait ici, permet de déverrouiller la genouillère. Sachant que... Euh, on a sur la genouillère trois axes et que cet axe ici est légèrement plus bas donc dans cette position là vous vous êtes vraiment verrouillé c'est à dire que vous ne pouvez absolument pas casser la, la, la genouillère enfin, quand je dis casser façon de parler hein, c'est <laughs> ouvrir la genouillère parce que casser c'est un peu embêtant surtout si, si vous avez des genouillères tout au même une genouillère avec tous les mêmes numéros alors là vous avez un axe ici qui se sort facilement. Là, vous n'avez pas besoin d'outils spécifiques hein, pour démonter un lugère. Hein. Alors, cet axe-là fait 7 mm de diamètre. Et ensuite, vous en avez deux autres. Vous avez un deuxième axe à l'intérieur, ici, qui est retenu par une petite goupille qui est ici, hein, qui se sort aussi très très facilement. Et cet axe-là, lui, fait 6 mm. Et vous avez ce qu'on appelle l'axe primaire qui est ici, en fait, qui lui, est monté au niveau du percuteur, c'est-à-dire qu'en fait, il permet au recul d'armer le percuteur, avec le petit euh, col de signe que l'on voit ici, en fait. Hein. Et cet axe-là, lui, fait 5 mm. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet axe-là sert de fusible. C'est-à-dire que si vous avez un des axes qui doit casser, c'est celui-là. Alors, cet axe-là a son importance si vous devez être amené à le changer, parce que c'est le fusible qui permet, en cas de surcharge, hein, si vous utilisez des munitions surchargées, qui va euh, casser justement euh, pour essayer euh, de préserver le reste. Alors. Euh, ce sont des axes qui font 5 mm de diamètre, qui sont euh, tolérancés euh, de façon assez précise, surtout euh, à l'époque de, 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 de l'Empire, hein, puisqu'on se retrouvait. Alors, ça, ce sont des axes hein, que j'ai d'avance. Voilà un axe, euh, l'axe d'origine, hein, qui, qui, euh, qui, qui est un axe qui fait, euh, 5, 5, euh, fait 4,99 exactement, qui a une cassure. Euh, qui est net. D'ailleurs, je m'en suis rendu compte en le démontant, hein, puisque l'axe, la genouillère, continuait quand même à fonctionner. Alors, ces axes-là sont en acier XC48, et euh, ce qui leur permet de recevoir une euh, cémentation, c'est-à-dire un, un traitement de surface pour que la, on ait une, une dureté en, en surface. Alors, justement, il faut éviter de monter des axes qui sont, euh, par exemple, trempés, hein, parce que là, ça sera. Euh, vous n'aurez pas de cassure. Hein. Donc, pensez bien si vous avez un jour un luger et que vous devez remplacer un, un axe, pensez bien à le mesurer avec un, un pied à coulisse de précision, parce que euh, les tolérances varient en fonction de, de, des époques. Hein. Après, euh, après l'Empire, après 1918. Vous avez des tolérances qui sont un peu plus larges et des axes qui sont un petit peu plus gros. Enfin, on, a du, du, on va jusqu'à du 5,14 voire 5,17 et des aciers qui sont différents. Donc, euh, après, ça change un petit peu. Donc, pensez bien à mesurer. Voilà. Alors, là, on a le, le, le petit bloc qui permet... On a l'extracteur le, qui est ici. L'éjecteur, lui, qui est sur la carcasse ici, hein, puisque cette partie, cette pièce sert. Au recul à éjecter la douille et là on a euh, le fameux extracteur et vous avez pu constater quand il est ouvert comme ça vous avez marqué en allemand chargé c'est à dire que quand votre arme est chargée l'extracteur est dans cette position et on le voit hein. pour enlever le percuteur c'est assez simple on, on peut utiliser l'outil euh, qui est fourni avec il suffit juste de lui faire faire un demi tour pour pouvoir sortir ressort et le percuteur donc on constate aussi qu'il est au même numéro voilà la pièce comment elle est faite alors ces percuteurs là c'est pareil on retrouve aussi les pièces on retrouve toutes les pièces pratiquement sur les lugères la seule chose c'est que euh, bah, à partir du moment où vous commencez à changer vous n'avez plus la même numérotation là on se retrouve avec un contrôle ici c'est l'aigle impérial qui est frappé ici donc, pour bien préciser que tout cet ensemble, tout ce bloc a été euh, contrôlé euh, dans tous les sens hein, au niveau dimensionnel. Et là, on a le fameux arrêtoir que je vous parlais tout à l'heure qui vient euh, embuter sur cette, euh, cette partie-là. Voilà ce que, je pour, ce que je pouvais dire un petit peu de toute cette mécanique-là. Phase remontage. Donc, une chose importante, faites attention à ce que la fourchette soit bien en place ici. Hein, c'est pour le rappel, euh, rappel du ressort. Hein. Ça, c'est très important. Donc, il suffit de reculer l'ensemble de la culasse. Donc, on va d'abord mettre en place le verrou. On, re on recule l'ensemble et on vient positionner la portière ici. Voilà. Et là, votre arme est euh, remontée. Au niveau des munitions. Parce que on entend beaucoup 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 de choses sur euh, le net hein, concernant les munitions euh, à utiliser ou à ne pas utiliser. Donc sur ces, sur ces armes-là, hein, ça c'est un 1918. Prenez des munitions comme des celliers bélo avec des ogives 124 grains qui ne sont pas euh, qui sont, qui sont chargés vraiment euh, faiblement. Là vous avez aucun problème. Vous prenez du 9 mm lugère. Vous n'avez aucun souci, vous ne risquez pas de casser. Et vous avez un cycle qui se fait parce que vous pensez aussi au cycle hein, si vous êtes en, en sous-charge. Ou sinon, euh, si vous rechargez, à ce moment-là, vous passez euh, directement euh, avec de la munition rechargée et euh, vous utilisez euh, des poudres. Euh, moi, j'utilisais de la N320. Bon, maintenant, je recharge plus quand je vois le prix des munitions, surtout de 9 mm. Je prends de la N320, je prends une ogive de 124 grains et j'ai démarré en bas l'échelle sur de la Vita Fiori. et je monte progressivement pour avoir un cycle qui se fait parfaitement. Mais vous pouvez utiliser très, très bien... Euh, de la munition manufacturée, il n'y a aucun souci, ça marche aussi très très bien, faut pas croire non plus que ces armes là sont très 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 fragiles, elles en ont vu pas mal hein, puisqu'elles ont quand même été utilisées première et deuxième guerre mondiale et elles continuent à fonctionner. Alors c'est vrai que le système de la genouillère, bon, un peu particulier au niveau du fonctionnement, c'est vrai qu'il faut faire quand même attention. Alors, ce que je vous disais au niveau des plaquettes, faire très attention parce que Ouais, pas... Au niveau de l'assemblage, on n'a pas grand-chose. Donc elles, sont... elles restent quand même assez fragiles. Donc euh, soyez vigilants. Euh, ce que je... Moi, ce que je fais, c'est que je les graisse. Hein. Donc, bon, toutes mes armes sont graissées à l'huile de vaseline. Et euh, les, euh, les plaquettes aussi. Donc elles reprennent un petit peu, si vous voulez, euh, leur forme d'origine. Hein. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur, sur le Luger. On pourrait, on pourrait en parler pendant des heures. Hein. C'est vraiment passionnant. C'est une arme absolument exceptionnelle. Et au niveau du tir aussi, hein, on a une précision. Pourtant, on n'a pas grand-chose au niveau des organes de visée. Hein. On a un truc qui est quand même assez, assez soft. Hein. Mais bon, euh, c'est suffisant hein, pour, pour avoir quelque chose de, qui marche bien. Hein. Moi, je l'utilise euh, euh, à 10, euh, 20, 25 mètres. Et on a quelque chose qui est quand même très, très intéressant. Donc la suite, eh ben, euh, je vais continuer euh, euh, la série sur les armes de poing allemandes, mais je vais aussi euh, finir la série sur les armes de poing russes, hein, avec ce fameux... Makarov qui est un peu particulier avec avec son 9 mm qui est le 9 mm Makarov qui n'a rien à voir avec le 9 mm Luger deux munitions totalement différentes. Et puis je ferai aussi, euh, ça je l'avais promis à certains de mes abonnés qui me l'ont réclamé de nombreuses fois, je ferai aussi les tests de, de pénétration comme j'ai l'habitude avec mes tôles d'acier. Donc euh, sur euh, bah, toutes les, euh, les munitions euh, que je vous ai, enfin les armes que je vous ai déjà présentées, c'est-à-dire le 7,62, 38 du revolver. Euh, Nagan, le 762 du Tokaref, pour savoir un petit peu ce, que, ce qui est dit sur Internet au niveau de sa ses performances en pénétration, le 9 mm Makarov hein, qui va qui va suivre et pour la série russe, je mettrai aussi le 9 mm para et le 45 SCP pour pouvoir comparer un petit peu ce que ça donne. Donc ça c'est des c'est une vidéo qui est en cours de préparation. J'en ai d'autres qui sont qui sont aussi en préparation parce que j'ai euh, depuis le début de l'année, j'ai travaillé pas mal, mais euh, bah, il faut que ça passe au montage. Et puis euh, ce que je voudrais, c'est vous sortir quelque chose de propre. Donc il faut quand même prendre quelques renseignements et puis faire des, des, des films qui soient euh, regardables, surtout quand on veut s'intéresser aux détails. Donc là, bah, je vous dis euh, très bientôt hein, sur la prochaine vidéo. Et euh, je vous souhaite bon tir, à bientôt.